Bonjour à tous et à toutes, c'est Cochon Pas d'affaires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Far Cry 5, épisode 19, je crois. Et on est avec Ella la chieuse et notre chien. Je sais plus comment il s'appelle, on s'en fiche. On va l'appeler Dent de Jambon. Voilà. Donc on est, on avait. Bah, je vous fais un petit topo. Attendez, oui, carte. On a défoncé de la région de John Seed. Après, on a défoncé Fate Seed. Il ne reste plus qu'à défoncer Jacob Seed. Et après, le père qui est. Je sais pas du tout où il est. Voilà. Ça se trouve en tuant Jacob, ou on tuera peut-être le père avant Jacob, ou peut-être on ne le tuera jamais, on mourra peut-être, on ne sait pas quelle est la fin de l'aventure, et je ne sais pas moi non plus. Donc bref, on va faire, on va délivrer l'ours, en gros on va machiner l'ours quoi. Vas-y, prends la non, prends pas la mitraillette, au pire reste tout seul c'est mieux pour toi. C'est mieux, non reste tout seul, elle est pas dedans non. Non, elle a pas l'air d'être dedans, je suis tranquille, elle me suivra à main mine, n'importe quoi. Allez, ouais, j'ai. Ouais, crevé, de babouiller. Donc, ça, c'est fait. Alors, j'adore ce camion, je pense que je vais l'acheter. Parce que, en fait, changer en roulant produit mitraillette, je trouve ça stylé. Je vais peut-être l'acheter. En plus, l'intérieur est assez sympa, je trouve. Enfin, par rapport aux autres, non, seulement la flemme. Par rapport aux autres véhicules, l'intérieur est assez sympa. Il y a un mec derrière moi, quoi. Ah oui, il me suit carrément. Bah, ils essayent. Ah, elle a pris une voiture en fait. C'est pour ça que. C'est quoi le truc devant là? Attendez, on va prendre un petit raccourci. Hop. Hop. Attendez, il y a l'air d'avoir des ennemis. Je ne sais pas trop ce que c'est. Vas-y, enfuis-toi, loup. C'est tout ce qu'il y a? Bah dis donc, c'est faible. Bon, vous me laissez changer de siège. Puis on est de biais, on est mal barré. Je crois que j'ai cassé mon camion. Ah non, c'est bon. Raccourci un peu pourri. Bon, je sais pas si j'aurais pu trouver mieux. Non, mais laissez mon. Tant pis. Je suis pas contre les animaux, ils se débrouillent, ils font comme ils veulent. Que je peux pas prendre la mitraillette, elle est juste derrière moi. Tu vois, j'aurais pas pu faire le truc stylé que je voulais faire. Ah oh, mince! J'ai tué un chien. C'est toujours de la viande, c'est pas. C'est parfait. Let's go, collectionnage. Allez, on y va. On remarche et marche. Je préfère quand vous marchez. C'est mieux personnellement pour moi. Ça, je peux prendre la mitraillette. On va être discret. Alors, je vois un petit bazar, donc je vais passer par la droite. Et là, je vois que le mec s'est barré. Donc, en gros, je peux passer, ça veut dire. Je ne peux pas passer. On va faire le tour. On va péter ça. Attendez, on va voir peut-être. Parce que j'ai des compétences, mais je vais jamais dans talent, par exemple. Ouais, attends, c'est quoi ça, par contre? On va faire ça. C'est super stylé. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire. Rien. On va attendre d'avoir l'ours. L'ours, je vais le cheater à mort. Ah oui, on est dans un zoo, j'avais oublié. Donc il y a sûrement des animaux. J'ai de la chance, maintenant que j'ai le truc discret. Personne ne me voit. Je suis un fantôme. Ils ont quand même laissé des animaux. Qu'est-ce que tu fais toi? Non, mais en vrai, quand tu vois un chien comme ça, tu te demandes peut-être il a qui, non?
Bonjour. Faut juste que je le déplace parce qu'il est à peu près de l'autre gars quoi. Mais c'est chaud, attends, je parle pas beaucoup, je suis concentré. C'est chaud en vrai. Faut que j'arrive à rentrer là-dedans. Ah bah attends, qu'est-ce que je fais là? Attendez, on va passer par là. Ça va, y a pas de temps quand même. Soko est en drogué. Allez, lève-toi, gros. Niveau discrétion, on est mal barré, les gars. Et d'où il y a une alarme encore? J'ai jamais fait de péché, je suis un demi-dieu. Je pille toujours, ça rapporte toujours de l'argent, c'est pas mal. C'est chaud en vrai. Attendez les gars, je recharge, je peux pas tout faire. Il y avait une deuxième alarme, ça veut dire. Fait le carnage en vrai avec des morts en tout. Hop, désolé mon loup. Lève-toi, gros sac. Il a l'air d'avoir un hélicoptère en plein. Oui, j'avoue, je pille encore des trucs, mais... J'ai commencé discret, mais bon, je ne finirai pas discret. Et d'où il est trop fort cet hélico. Mais non, mais et là il est trop fort. Attendez, il commence à m'énerver. On va se calmer, ok. Je suis pas là pour rire. Lève-toi la chieuse le... Hop. Ça commence à être chaud là par contre. Non mais sérieux?
Et dès qu'il meurt, j'arrive à le toucher, quoi. Merci, c'est là la chieuse qui l'a tué, ça c'est bien. Où est notre loup, là? Il est en train de crever, faut que j'aille le sauver. C'est un chien en plus, le pire, c'est ça. Ça me rappelle dans Far Cry Primal, où c'était dans un tigre avant de ça, mais je disais que c'était un loup. C'est la même chose. Non! Mais voilà, mais c'était facile. En 2-2, c'est fait. Tout. J'ai libéré un avant-poste, maintenant il faut plus que... Normalement il y a un mec qui... Bah, il y a quelqu'un qui va me donner la mission de trouver l'ours. Donc c'est un peu la mascotte du truc. Quoi. Comme on voit, il y a des affiches d'ours partout. Ils ont même des t-shirts. Oh, c'est stylé. Je suis content qu'il soit plus à la secte. Elle y dressait des loups pour foutre le bordel. J'envoie ces saloperies de loups directement à la vieille Syrie pour garder les prisonniers à l'œil. C'est bien là. On avait un ours ici qui s'appelait Cheeseburger. C'était une sorte de mascotte locale. Oh, je vois. Faible pour le barbecue de Tchad. Ça lui a filé du diabète, alors on l'a remis au régime saumon. Enfin bref, la secte a tenté de le choper, alors je l'ai libéré. J'ai entendu dire qu'il foutait un sacré bordel. Quelqu'un devrait aller le chercher pour s'assurer qu'il va bien. Attrapez le saumon dans le bassin avant de partir. Vous n'aurez qu'à les donner à Cheeseburger. Et il vous obéira au doigt et à l'œil. Oui, en gros, ok. Un endroit non. On fait cette mission, on est là pour ça. Cheeseburger, c'est ton nom. À présent, je te connais, Cheeseburger. Tu pèses dans le game, il paraît. Et bah, moi aussi, je pèse dans le game. Ah. Ah non, j'ai pas de chance. C'est ça, c'est ça. Ils sont rapides, hein, ces chasseurs. Ils m'ont déjà défoncé. Attends, je suis même pas éloigné de mon quartier. Non, mais vas-y, dès le début, quoi. Dès le début, on chasse, on tape, on m'agresse violemment. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Les faibles peuvent être utiles. Tu t'en rendras compte très vite. Parole de Jacob Seed. Attends, je sais même plus. Non, c'est pas Jacob. Si, peut-être. Ah non, mais ils m'ont déjà chopé. Je suis déjà dans sa baraque. Attends. Première fois qu'on se connaît. Le mec, il sait que j'ai tué toute sa famille. Quoi. Moi, à sa place, je l'aurais tué. Quoi. Ah non, je suis sauvé. C'est qui lui? C'est le. Tiki toi? Ah, je sais même pas t'es qui donc. Ce monde est faible. C'est comme ça qu'il nous transforme en chasseur. Parce que le mec c'est un chasseur de ouf. Il défonce tout le monde et il est hyper fort. C'est mon préféré ennemi. Après s'il veut me transformer en chasseur, ça me gêne pas, hein, je le tue après. C'est comme ça qu'il transforme ses chasseurs là. Diriger les puissants. Et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. La loi du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Maintenant, l'effondrement est proche. Il a des grandes oreilles quand même pour un chasseur. L'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. Bah, c'est pas mal si on est prêt en avance, c'est pas mal. Tranquille. Abattre les faibles. C'est une allumette. Nous ferons ce que nous devons faire. Ah, j'ai mal aux oreilles là. Ah, ah. Ah, je sais même pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Un monde faible. Encore une nouvelle mission. Tu n'es pas un héros. What?
Quoi? Excellent. Tu sais, toutes les mitraillettes grave stylées qu'il y a. Bien. Ah bah les faibles. Ne t'arrête pas. Mais je m'arrête pas, t'inquiète. Puis les armes, elles sont grave stylées. Attention au temps. Là par contre faut que je me bouge, hein, je vais me faire choper. Putain, elles sont grave belles tes armes. Purée, je me suis fait abattre. Ouais, pour contre là ça part un peu en mode drogué quoi. Y'a Kiki. Ah, je suis encore drogué. Ah non, je suis encore en prison là. Je suis mort, hein. Putain de merde! Quoi? Merde! Il est vivant. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Bonjour. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. Je m'appelle pas la star. Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. En vrai, ils sont grave sympas, hein. Ils veulent même pas me tuer. Ils assurent... bah, ils ont tous un bunker, de toute façon. Quand ils sont prêts pour la fin du monde, ils ont tous un bunker. Mais je dis pas qu'on va le tuer dès le début, quand même, le mec. Parce que là, c'est bien parti pour le tuer, hein. Tuer Jacob. Ça sera fait. Bonjour. Tu vas balancer par terre tout à l'heure. Je suis très énervé contre toi, tu mourras. Mais pourquoi vous êtes aussi gentil? Arrêtez de me passer de l'eau, laissez-moi mourir. Attends, c'est des gentils ou c'est des méchants, je comprends plus rien. Du calme, avec Witty on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Ah non, c'est des gentils. C'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a voilà. Besoin de lui. Vous avez tous besoin j'ai de compris. Moi. Je suis un dieu. Oh, mais non. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. Chut. Allez, ça sert. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Tout le monde a besoin de moi en vrai, je peux pas être tranquille, j'aimerais bien faire des vacances parce que la guerre c'est un peu chaud quoi. Je suis toujours en guerre. Hein? Oh, on peut pas dormir tranquille. Plus le pire c'est que mon perso est torse nu. Hein. Ah, je suis défoncé. Bonjour. Vous êtes qui ouf? Ah ouais, ils m'invitent comme ça dans leur bunker, je ferai ce que je veux. Bon bah, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Donc c'était Cochon Pet de Feu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi personnellement, attends, j'ai fait quoi encore? Oui, j'ai adoré cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo plus tard. C'était Cochon Pet de Feu. Bye.